Bonjour frères et sœurs. Ce soir, je vous propose de continuer l'étude sur donc le livre de Jonas. Nous voyons le chapitre 4. Et donc nous allons voir la suite de cette étude sur l'irritation de Jonas que nous avons vu la fois dernière. Et aujourd'hui, nous allons voir particulièrement comment vaincre l'irritation. La fois dernière, nous disions que Jonas était irrité parce que Dieu a décidé de pardonner à ce peuple, donc les Ninivites. Il est irrité parce que Dieu est un Dieu plein de compassion et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et donc il ne voulait pas que ce Dieu plein de compassion pardonne à ces Ninivites. Jonas était irrité contre Dieu parce qu'on avait vu qu'il était égoïste, entêté et injuste. Et nous disions que nous-mêmes, nous pouvons être irrités contre Dieu, ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive dans la vie. Nous pouvons aussi être irrités contre notre prochain qui réussit mieux que nous ou qui ne fait pas les choses comme on le souhaiterait. Alors, nous avons parlé aussi des conséquences de l'irritation. Jonas, on a vu qu'il a sombré dans un profond désespoir et il se replie sur lui-même en se faisant cette cabane et en attendant de voir ce que l'Éternel allait faire. Donc, il demande à deux reprises, voilà, qui dit que la mort est préférable. Alors l'Éternel lui pose cette question, fais-tu bien de t'irriter? Il dit, fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin? Voilà, donc j'aimerais que nous puissions refaire la lecture de ce chapitre 4 et aujourd'hui nous allons voir comment vaincre l'irritation. Jonas chapitre 4 à partir du verset 1. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie. Car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, Fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, La mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Et des animaux en grand nombre. Oui, si nous sommes irrités contre Dieu ou contre une autre personne, un peu comme Jonas, nous pouvons vaincre cette irritation en disant à Dieu notre frustration, en considérant les bienfaits de Dieu envers nous, mais aussi en reconnaissant que sans la grâce de Dieu, nous sommes perdus. Dans les trois premiers versets, nous voyons que Jonas y confesse à Dieu les raisons pour lesquelles
il a voulu partir à Tarsis. Il savait que son Dieu qui est amour allait pardonner à ce peuple s'il se repentait de son péché. Et ça, il ne le voulait pas. Il confesse à Dieu l'état de son âme. D'une certaine manière, il préfère mourir que de voir ce peuple ennemi sauvé par Dieu. Donc, ce que fait Jonas dans ces trois premiers versets, il dit à Dieu sa frustration. Il dit à Dieu ce qu'il a sur le cœur. Et une autre manière aussi, c'est que nous devons considérer les bienfaits de Dieu envers nous. Et pour lui montrer qu'il n'a pas raison de se soumettre dans cet état, Dieu va faire pousser un ricin pour donner de l'ombre à la tête de Jonas et pour enlever son irritation, il est dit. Et à cause de cela, Jonas éprouvera une grande joie, le texte nous dit. Dans un premier temps, l'Éternel veut montrer à Jonas qu'il connaît sa situation. Il sait que la petite cabane ne sera pas suffisante pour lui apporter l'ombre nécessaire. Dieu voit aussi que son serviteur est irrité et il espère que cette grâce que représente ce ricin va le faire oublier cette rancune. Jonas aussi doit faire preuve de reconnaissance parce que sans la grâce de Dieu, oui, il était perdu. Sans ce ricin, il était perdu. Donc en faisant venir ce ver qui rongea le ricin et ce vent chaud qui provoqua la défaillance de Jonas, l'Éternel veut lui montrer que sans sa grâce envers lui, il n'est rien. Il est perdu. Et une nouvelle fois, Jonas va exprimer son mécontentement à cause de ce ricin qui lui faisait du bien et qui maintenant n'est plus. Et Dieu qui lui dira une nouvelle fois, mais fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Oui, frères et sœurs, au lieu de nous irriter contre Dieu ou contre quelqu'un d'autre, réjouissons-nous plutôt de savoir que nous servons un Dieu qui nous aime comme un père. Un Dieu toujours disposé à nous écouter. Un Dieu toujours disposé à nous faire grâce. Un Dieu toujours disposé à nous instruire pour notre bien. Et c'est ce que Dieu fait avec Jonas là. Il l'écoute. Il lui donne ce ricin parce qu'il voit que Jonas en aura besoin. Il instruit Jonas par rapport à ces différents événements qu'il envoie. Même en faisant souffler sur nous le vent chaud d'Orient, il ne le permet pas pour notre perte. Hein, Dieu ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. C'est ce que dit ce texte de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Il dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Oui, Dieu nous aime comme un père et cela doit nous réjouir au lieu de nous irriter. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 1 à 3, l'apôtre Jean dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur.
Oui, au lieu de nous irriter, réjouissons-nous de servir le Dieu Tout-Puissant et ce Dieu souverain, n'est-ce pas? Il fait grâce à qui il veut. Il a donné à Jonas ce ricin pour son bien, n'est-ce pas? Donc il a fait grâce. Et ce Dieu souverain, ce Dieu tout-puissant, il reprend aussi comme il veut. De la même manière qu'il a donné à Jonas ce ricin pour lui faire du bien, il a décidé d'envoyer ce ver pour qu'il ronge le ricin. Mais aussi, ce Dieu souverain éprouve aussi qui il veut. Au verset 8, il fait souffler le vent chaud qui fait tomber Jonas en défaillance. Parce qu'il a aussi des choses à apprendre à Jonas à travers tout cela. Et puisque Dieu est souverain, au lieu de nous irriter contre lui, disons comme Job, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni, dans Job chapitre 1, verset 21. Donc, au lieu de s'irriter, Jonas aurait dû se réjouir de voir qu'il servait le Dieu Tout-Puissant, ce Dieu souverain. Il devait se réjouir aussi de servir un Dieu qui aime aussi tous les hommes. Et c'est ce que Dieu lui fait comprendre dans les versets 10 à 11. Et c'est là l'enseignement qu'il voudrait que Jonas retienne. Il aime toutes ses créatures. Dieu aime toutes ses créatures. Pas seulement le peuple juif. Malheureusement, à cause de son orgueil, Jonas n'a pas voulu comprendre cela. Nous savons que il est dit en Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc chaque être humain a du prix aux yeux de Dieu, et c'est pour cela qu'il désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, comme il est dit en 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Et c'est parce qu'il a eu pitié de nous, c'est parce qu'il nous aime qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, venir sur cette terre et donner sa vie sur cette croix. Lisons Romains chapitre 5, verset 6 à 11. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Le Seigneur voudrait que son serviteur Jonas ait ce même amour envers son ennemi, les Ninivites. Et le Seigneur désire de même que nous aussi nous ayons le même amour envers nos prochains. Et c'est ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48, où notre Seigneur nous exhorte à aimer nos ennemis pour que nous soyons fils de notre Père qui est dans les cieux. Lisons ce passage de Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent,
Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les injustes et sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Au lieu de nous irriter, réjouissons-nous. Réjouissons-nous du salut des autres. Réjouissons-nous que les pires pécheurs se repentent et se convertissent pour servir le Dieu vivant et vrai. Dans Luc chapitre 15, verset 32, il dit, mais le maître dit, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. C'est ce que disait le père à ce frère qui était en colère. Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Donc, oui, réjouissons-nous du salut des autres. Réjouissons-nous aussi des bienfaits que Dieu accorde aux autres, même à nos ennemis, ceux qui nous veulent du mal. Car Dieu fait lever, il est dit, son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, comme il est précisé dans Matthieu chapitre 5, verset 44 à 45. Je vais relire ce passage qui dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Oui, frères et sœurs, l'histoire de Jonas s'arrête là. Nous ne savons ce qu'il est devenu par la suite. Comment a-t-il réagi? A-t-il continué à servir son Dieu ou a-t-il tout abandonné? Et tout comme l'histoire du frère aîné de la parabole du fils prodigue, nous ne savons ce qu'il a fait par la suite. S'est-il laissé convaincre et est-il allé faire la fête avec les autres? Ou est-il reparti seul dans son coin pour bouder? Et nous, comment notre histoire se terminera-t-elle? Allons-nous continuer à vivre dans cet état d'esprit tout irrité? Ou allons-nous déposer aux pieds de notre Seigneur ce qui nous irrite et vaincre cette irritation? Est-ce que nous allons aussi nous réjouir avec ceux qui nous entourent, ceux que le Seigneur, pour qui le Seigneur fait grâce? Ou est-ce que nous serons irrités? En Matthieu chapitre 11, verset 28, le Seigneur Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En tant que chrétiens, si nous sommes irrités, là encore, le Seigneur dit, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous qui êtes chargés à cause de cette irritation. Je vous donnerai du repos. Venez vous décharger au pied de ma croix et je vous donnerai du repos. Notre Seigneur Jésus veut vous donner du repos. Mais pour cela, acceptez de déposer au pied de la croix cette irritation, cette colère que vous avez. Et si vous acceptez son offre, vous repartirez et vous continuerez votre route, le cœur léger, et la paix de Dieu gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, c'est ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 4, verset 4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Donc oui, pour vaincre cette irritation, il est bon, frères et sœurs, de dire à Dieu
notre frustration. Il est bon de considérer les bienfaits de Dieu envers nous. Il est bon de reconnaître que sans la grâce de Dieu, nous sommes perdus. Et pour vaincre cette irritation, nous devons apprendre à nous réjouir plutôt que de nous plaindre. Nous réjouir de ce que nous servons un Dieu qui nous aime comme un Père, que nous servons le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Souverain qui fait ce qu'il veut et que nous devons nous soumettre à son autorité. Nous devons nous réjouir de ce que nous servons un Dieu qui aime aussi tous les hommes, qui veut que les hommes soient sauvés, même nos pires ennemis. Donc que le Seigneur fasse son œuvre dans nos cœurs, qu'il enlève cette irritation, qu'il nous donne sa paix et que constamment nous puissions venir à ses pieds, lui décharger au pied de la croix ce que nous avons sur le cœur. Que oui, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que le Seigneur soit béni et que sa parole fasse son œuvre dans nos cœurs. Amen.